Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Et aujourd'hui on va décorer du coup un peu l'appartement pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Je voulais vous montrer ça, j'ai déjà installé les achats que j'avais fait chez Jiffy, fêter, recevoir. Et là on va juste retourner chez Jiffy. J'ai repéré quelques autres trucs pour pour la maison. Et pour mes recettes aussi d'Halloween. Vous savez que tous les ans je vous fais des recettes spécialement d'Halloween. Je me dépêche parce que là ça approche le 31. Donc voilà, donc il faut que je récupère des choses. Mon chéri vient avec moi aussi et j'aimerais bien lui trouver aussi un costume. Parce que moi je crois que j'en ai repéré un pour moi, mais pas chez Jiffy, chez Fêter Recevoir. Bon, nous voilà arrivés du coup à Jiffy. Je vais mettre le masque, le chéri parti chercher le caddie. Et let's go! On a fait les achats chez Jiffy. On rentre. Bon, ça y est, on vient de rentrer du coup de chez Jiffy. Je voulais vous montrer un peu ce qu'on a pris. J'ai pris les dernières choses pour Halloween qui me manquaient. Et j'ai également pris des choses un peu plus automnales et tout qu'ils avaient sorti. J'avais repéré dans le catalogue. J'ai pris tout d'abord ce gros coussin que vous pouvez mettre par terre. Mais il est tout souple, il est trop beau avec la fausse fourrure comme ça tout autour là des deux côtés. Même pour Pachamoun et tout par terre, ils vont être royales dessus. Même si à la base c'est pas fait pour ça. Mais bon, les connaissants, je sais qu'ils vont y aller. Ils vont croire que c'est pour eux. Mais il était magnifique, je trouve, dans les tons comme ça gris. Et la fausse fourrure un peu marron et beige. Évidemment. Le distributeur de boissons en forme de citrouille, je le trouve magnifique. Et cette année, comme je dois vous faire des recettes, je fais toujours une recette de boisson. Donc vous verrez, ça sera la surprise dans une prochaine vidéo. Sur la table, ça va trop bien rendre, trop hâte. J'ai pris ce coussin magnifique avec une belle tête d'ours, la fausse fourrure blanche comme ça, je le trouvais canon. Alors normalement il y avait d'autres motifs, il y avait le loup, la biche et tout, mais moi j'ai pas trouvé. Il y avait que l'ours moi en rayon. Là je trouve ça va trop bien avec mes plaids marronnés là sur le lit. Ça va apporter la petite touche en plus automnale. Il est tout doux en plus, enfin je suis trop contente. De l'autre côté il est blanc, 4,99€ le coussin avec l'intérieur et tout. J'ai pris rien à voir mais des éponges parce qu'on en avait plus. Et il y a toujours des offres super intéressantes chez Jiffy pour ça. Une bougie comme ça, LED qui fait projecteur sur les murs. Et je vais le mettre dans mon gros seau à l'entrée. De toute façon je vais tout vous montrer décorer parce qu'après je vais décorer avec vous. J'ai trop hâte de voir, apparemment il y a plein de motifs différents. Dans ce petit coffret automnal, alors ça c'est même un truc que vous pouvez même offrir limite à Noël. Tellement c'est trop bien fait, c'est trop beau. C'est des bougies parfumées, 4 bougies et un plateau. Et c'est les odeurs baies sauvages apparemment. Et ça valait seulement 4€. Alors ça c'est franchement c'est le cadeau idéal à offrir à Noël. Pour celles qui aiment les moments cocooning et tout. Et pour le prix ça vaut trop le coup. Vous pouvez acheter du coup plein de petites choses comme ça. Et je sais que ça fait toujours plaisir. Moi la première, il y a des bougies qui brûlent tout le temps, de l'ensemble des bougies tout chez moi. Moi j'adore quand ça sent bon. J'ai pris aussi un spray comme ça, bicarbonate de soude, parce que j'en avais plus. C'est sous forme de gel, j'ai jamais essayé. Moi j'ai toujours utilisé la poudre. Et là ils ont sorti ça sous forme de spray. Donc ça c'est super bien. Moi quand je nettoie la salle de bain, je mets avec ça et ça part du feu de Dieu. Et dans le même genre, j'ai pris juste de l'anticale parce que j'en avais plus non plus. Et je crois que j'ai pris ça aussi, des Color Stop, les lingettes, sachant que les 50 ça valait 5€. Donc ça c'était un méga bon plan parce que ça vaut une fortune à chaque fois dans les magasins. Donc là je suis tranquille pendant 50 lavages. J'ai pris le costume du chéri, je vous montre pas, juste un petit aperçu comme ça. Si vous voyez dans les tons rouges, vous me direz ce à quoi vous pensez. Enfin, mon costume, je l'achèterai, il faut que j'y aille d'ailleurs avant qu'il n'y en ait plus parce que comme ça approche. Moi ça sera à fêter et recevoir. Alors à votre avis c'est quoi? Oh le chéri, j'ai trop hâte de le déguiser. Oh, j'ai pris ça, je la voulais trop l'autre fois quand j'avais été chez Jiffy, il était pas. Et là ça y est, ils m'ont sorti, c'est la poupée vaudou. Vous savez quand vous plantez des aiguilles et tout dedans, c'est génial, j'aime trop. Donc ça va aller avec le reste de ma déco que j'avais commencé à installer. Stylé, j'adore, ça fait un trop beau rendu ça, style sorcière. Ah, je suis fan. Alors j'ai pris ça, c'est un kit de maquillage. Bon là c'est un vampire, mais je dis pas si c'est ça ou si c'est pas ça, hein, n'est-ce pas? Mais c'est parce que j'avais besoin de rouge et de noir. Voilà, c'est tout ce que je vous dis pour le chéri. Ce panier, my god, pour 3€, il était juste trop beau. Avec écrit homme comme ça dessus, en tressé blanc et noir. J'ai dit my god, celui-là je le prends pour 3€, il est canon. Et au pire des cas, je me l'enverrai dans mon petit carton que je me ferai. Franchement, je sens qu'à force, je dis je m'enverrai dans des cartons. Je crois qu'au lieu de. À la base, je devais en envoyer un avec mon ordinateur, mon Mac. Après c'est passé à 2, je crois que là ça va passer à 3. J'ai pris des petits ongles comme ça, vert et noir pour moi, pour le jour d'Halloween. Du coup j'ai pris ceux-là en vert et noir, je trouvais qu'on était bien dans le thème. Ils ont plein d'accessoires, franchement chez Jiffy pour Halloween. J'ai pris également cette guirlande comme ça, parce que je sais pas, ça me faisait penser les lettres à Harry Potter. Et c'est écrit Happy Halloween comme ça, et je trouvais que ouais ça faisait vraiment Harry Potter. Je vais essayer d'accrocher ça comme je peux dans mon salon web, parce que vous savez que je veux pas trop salir les murs et tout, vu qu'on va partir. J'ai trouvé une solution pour
pour faire ça bien. J'ai juste pris un pot de pâte à tartiner, c'est pour ma belle-mère. J'en avais fait goûter une et c'était avec, vous savez, les petites crêpes dentelles à l'intérieur, donc il y a des petits morceaux croustillants. Et l'autre fois, elle avait pris la classique et elle m'a dit, oui, c'est pas le même goût, hein. J'ai dit, mais tu t'es trompée, t'as pas pris les petites dentelles à l'intérieur. Et celle-là, elle est vraiment délicieuse, je vous la conseille. Et elle était en plus en promo, je crois, à 2,80€ au lieu de 4€ ou 5€. Donc, délicieuse. Petite citrouille aussi, j'en ai repris une parce que pour 1,50€, elle valait trop le coup. Bon, c'est du plastique, et trop belle en argenté comme ça. Je dis, oh, viens avec moi. Et j'ai pris cette grosse araignée aussi parce que j'en recherchais une grosse et je l'avais pas vue la première fois. Donc va falloir que je détende les bras, je sais pas comment je vais faire, enfin les bras, les pattes plutôt. Mais j'aimais bien parce qu'elle avait plein de petites pampilles et je trouvais que ça faisait très vrai, enfin très faux poil quoi. Bon bref, c'est pour vous donner une idée, mais vous voyez quand même l'effet que ça rend. Ah, elle est trop belle. Je me suis pas du tout dirigée dans les rayons de Noël parce qu'ils avaient déjà tout installé Noël, ça me donnait envie. Mais j'ai dit calme-toi, reste sur le truc d'Halloween. Halloween n'est pas passé, consacre-toi d'abord sur Halloween parce que sinon on va plus s'en sortir. De la crème rouge comme ça, ça c'est pour le chéri. J'ai pris ce style make-up aussi parce que j'avais besoin de vert, moi voilà, pour mon déguisement. J'ai pris une bombe orange comme ça pour les cheveux. Alors j'espère que ça va pas me décolorer mes cheveux. Normalement ça c'est des choses qui partent à l'eau, donc j'ai pris ça pour une vidéo qu'on va vous faire dégustation. Donc je testerai ça, on verra ce que ça vaut. Franchement il y avait plein de couleurs, il y avait blanc, noir et tout pour les cheveux. Et dernière chose que j'ai prise, j'étais obligée, je l'avais pas vue la première fois non plus, c'est une tête de chat d'Halloween comme ça, elle est trop belle. Et quand vous appuyez, normalement ça fait du rouge à l'intérieur. Ouais, bon là vous voyez pas très bien, mais vous verrez mieux de nuit. En plus ils sortent des catalogues quasiment toutes les semaines et bah ça donne trop envie, voilà, tout simplement. Il y avait juste deux trucs que j'ai pas trouvé, c'était des moules à pâtisserie. Je vais essayer d'installer ça vite fait avec vous et let's go, on va décorer. Bon voilà, du coup la banderole, je trouve que ça change trop, on dirait vraiment le truc d'Harry Potter, je suis fan, franchement j'ai une trop bonne idée. Et du coup j'ai mis juste du scotch là sur les coffres des volets et c'est nickel et ça abîme rien. Et voilà le rendu de la table, je suis trop contente, je vous montrerai de ce soir ce que ça donne. Mais j'ai rajouté du coup là la petite poupée vaudou, la petite citrouille argentée et la grosse tête de chat, je vous montrerai ce qu'elle fait la nuit. Mais voilà, I'm happy, au moins ça fait un super joli coin pour Halloween, voilà. On est dans l'ambiance, on adore. Donc là j'ai mis la bougie à l'intérieur et du coup ça ressort à travers les yeux du seau, ça rend trop bien. Et de nuit pareil, je vous montrerai, là je vous ai montré un peu mais on voyait pas trop bien. Et vous pouvez changer, en plus il y a différentes plaquettes pour changer les motifs, donc ça c'est trop chouette. Et la grosse araignée elle est là dans la chambre, je suis trop contente. C'est stylé, voilà voilà. Ça rend trop bien sur mon lit, je suis trop fan. Regardez comme ça rend bien dans la citrouille la bougie et au plafond la nuit. Oh j'adore. C'est stylé, vous avez plein d'autres motifs. Est-ce que je vous montre les autres ou pas? Ouais, au moins je vais voir quel est mon préféré. Mais lui il est trop cool avec écrit Happy Halloween et tout. J'adore, attendez je vais voir le reste. Ah ouais lui il est stylé aussi avec les citrouilles, les fantômes, les petites sorcières violettes. Violettes moi, les petites sorcières vertes. C'est stylé, ça rend trop bien, on se croirait vraiment Halloween quoi. Quand vous arrivez dans le couloir c'est génial. Lui pas mal non plus avec les yeux et les têtes de mort rouges. C'est pas mon préféré, parce que je trouve que c'est un petit peu moins les couleurs d'Halloween, même si on reste dans le thème. Ouais, et ça c'est un peu le même genre que l'autre, sauf que les têtes de mort elles sont blanches, et les citrouilles aussi, il y a des toiles d'araignée rouges aussi je vois. Les yeux aussi bien globuleux, ouais, c'est pas mes préfs avec les yeux, je préfère les citrouilles, je vais remettre l'autre. Voilà, du coup j'ai remis celui-là, je trouve que c'est celui qui fait le plus Halloween avec les belles couleurs. Ah j'avais pas vu les chauves-souris jaunes aussi, trop bien. Voilà, je suis trop fan du rendu. La tête de chat elle change de couleur aussi, je croyais que ça faisait qu'une couleur. Ouais, nickel. Ça fait rouge, vert, bleu, jaune et tout. Oh, j'adore. Et du petit fantôme en haut. J'ai remis les têtes de mort comme ça aussi qui clignotent. Et est-ce qu'on se le refait un petit coup celui-là? C'est parti mon kiki. 3, 2, 1. Oh. Trop stylé ma table. Oh, la poupée vaudou elle s'est barrée.
Et ma poupée vaudou, elle est déjà possédée, quoi. Voilà, je l'ai remis, c'est bon. Bon, on est bien dans le thème d'Halloween. Je suis trop contente du rendu le soir. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer les têtes de mort dans la chambre, là, qui clignotent. Et on est bon. Voilà, du coup, le rendu avec la lumière allumée, parce que sinon, vous voyez pas trop. J'ai mis le petit coussin, là, en attendant pour pas chamoun pour la nuit. Sinon, je le mets sur le lit. J'espère que je vais pas flipper demain matin en me réveillant. Ou dans la nuit, je vais voir un gros truc. Je vais me dire, mon Dieu, c'est quoi ça? Sur ce, je pense qu'on va se retrouver demain. Je vais aller dormir, je suis cuite. Bisous, bisous. Re tout le monde, on se retrouve le lendemain. J'ai amené le chéri chez le dentiste ce matin. J'avais mis le masque parce que je viens d'arriver sur le parking de la foire fouille. J'ai pas du tout vu ce qu'ils ont fait cette année pour Halloween. Donc là, j'y vais et je voulais voir s'ils avaient pas le costume que je voulais. Moins cher qu'à fêter et recevoir avant de retourner à fêter et recevoir. Donc vu que j'ai trouvé le costume pour le chéri, j'espère que je vais trouver le mien ou ici, mais sinon c'est pas grave, je sais qu'il y a fêté recevoir, j'espère qu'il en reste dans ma taille au cas où, mais en tout cas j'ai hâte de voir les décos qu'ils ont mis, j'aime trop aller voir les magasins quand c'est bien décoré et tout. Donc voilà, apparemment ils ont mis le paquet parce qu'en plus ils ont fait bien la pub et tout à la radio et tout, donc c'est parti, on va voir ça. La foire fouille, on arrive. Bon, comme je le pensais, j'ai pas trouvé mon costume, donc je vais la fêter et recevoir en espérant qu'il y ait pas trop de monde, parce qu'avec les vacances, c'est rempli dans les magasins. Il y avait déjà des décorations de Noël aussi, mais c'est incroyable. Et franchement, ils avaient des beaux trucs à la foire foot, des grands casse-noisettes et tout. Enfin, je pense que je retournerai là. Oh, ça donne trop envie. Bon, c'est bon, me voici de retour à fêter et recevoir. J'espère qu'il va y avoir ma taille pour mon costume. Je suis rentrée de fêter recevoir, j'ai trouvé mon costume, je suis trop contente. Petit monito au milieu des courses, puisque je reviens de ces courses, je me suis arrêtée à Lidl pour acheter quelques trucs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Là on est tranquille pour un moment. J'ai pris des lardons parce qu'on avait une tartiflette à faire. Donc du coup avec des pommes de terre. J'ai pris celle-ci, là elle est rouge. J'ai repris des pains hot dog, des petits bonbons Dracula, ça c'est trop bon pour Halloween. C'est, je crois que c'est mes bonbons préférés d'ailleurs pour Halloween. Ils sont trop bons et pas chers. J'ai pris un filet de navet, c'est la saison, j'adore ça. J'ai repris des pâtes brisées pour faire des tartes aux pommes et tout, je vais voir. Des petites tomates comme ça, cerises, parce qu'on avait une mozzarella à passer, donc j'avais envie d'en manger avec. Les escalopes de dinde, ça c'est délicieux. Ils ont sorti les grosses boîtes de Noël comme ça, guimauve de Noël. C'est délicieux, vous savez, en guimauve. Et au lieu que ce soit des ours, ils ont fait les motifs de Noël. J'ai pris les petites briquettes de jus de fruits comme ça, du coup qui sont plus grosses que les normales. Donc ça c'est bien à emporter et tout quand on n'a pas le temps, par exemple, de déjeuner le matin. Ça va les chats, je vous dérange pas trop? Hein? Bah ouais. J'ai pris du gruyère aussi, on en avait plus. Ils ont sorti les bières de Noël, donc ça chaque année j'adore en acheter parce que c'est délicieux. Un nectar de poire, il me donnait trop envie. Le jus de pomme, celui-là c'est mon préféré, franchement il est trop bon. Ils ont fait des courgettes en surgelé, déjà en rondelles, c'est trop bien. Elles étaient à 80 centimes à peine, donc je me suis dit ça c'est trop cool. J'ai repris deux briques de lait. Les lasagnes bolognaises, celle-là c'est mes préférées aussi de chez Lidl. J'ai pris des nuggets comme ça d'Halloween. J'ai pris la pulpe de tomate, une pizza, bûche de chèvre au feu de bois, les délicieuses salades. J'ai repris des brioches pour le matin parce que j'aime bien manger ça, des pommes parce que j'avais envie de faire une tarte aux pommes et ce soir on va faire du boudin, on doit le passer, j'avais pas assez de pommes, il m'en restait plus qu'une, et des oignons aussi parce qu'on en avait plus. Voilà, bah écoutez, moi je vais ranger tout ça. Ah non, je vais te vous montrer aussi, j'avais racheté ça ce matin. J'ai pris les pâtes tricolores comme chaque année d'Halloween, je les adore, les chips comme ça aussi d'Halloween, elles sont trop bonnes. Et j'ai pris les petits biscuits au chocolat comme ça d'Halloween. Voilà, on va se régaler. Ce soir, petit boudin noir, j'ai fait des pommes avec des oignons revenus et de la petite salade avec une sauce vinaigrette à la moutarde et au miel. Donc on va se régaler, bon app. Bon, on est en train de préparer les recettes pour Halloween. Donc là j'en fais une déjà ce soir, j'ai trop hâte de vous sortir la vidéo. Je voulais vous montrer les petits verres que j'avais achetés à fêter recevoir. Ils sont trop cool avec les têtes de mort. Je suis fan, je les ai prêts à fêter recevoir. Bon après c'est du plastique. Mais je trouvais qu'ils étaient cool parce qu'on voit bien la boisson à l'intérieur, peu importe ce que vous mettez. Donc voilà, j'ai hâte de vous présenter mon petit cocktail d'Halloween aussi. C'est parti pour faire des aventures, c'est ça quand on fait des vidéos. Là, vous voyez l'envers du décor de mes vidéos. Ça, c'est pour filmer une vidéo dégustation. Je vais faire les cheveux orange. J'ai trop peur. Ah là là, my god, j'ai peur de tout tâcher en plus. C'est parti. My god, j'ai peur. On y va. On y va pas, j'ai peur. Ah, ça fait grave orange. Voilà, c'est parti pour filmer la vidéo. Bon, les cheveux orange a été un franc succès auprès de vous. Ça me donne envie limite de faire roux. Mais je sais pas, voilà, faut oser pour porter ça tous les jours, hein, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, bye bye.